Comme vous, je regarde le monde aller, et je ne trouve pas ça très très encourageant. Les bonnes nouvelles sont rares, les mauvaises nouvelles sont souvent déprimantes, et les sujets d'inquiétude sont très nombreux. Que fait l'homme devant toutes ces situations difficiles et exigeantes? Eh bien, il continue de répéter que ça va bien aller. Il cherche pour essayer de se rassurer, de s'étourdir par mille divertissements de toutes sortes. Et il continue de dire Ça va bien aller, l'homme va régler tous les problèmes, on va finir par s'en sortir, tout va s'améliorer. Hein? Voilà ce qu'il fait. Mais rien ne change. Jamais. Et le monde continue d'aller aussi mal. Qu'est-ce que l'homme devrait faire L'homme devrait se tourner vers Dieu, demander humblement et sincèrement pardon à Dieu de vivre contre sa bonne loi, et espérer en Dieu. Espérer en Dieu. Mais l'homme ne fait pas ça. Gonflé d'orgueil, il ne veut rien savoir, de se tourner vers le grand Créateur, celui seul qui peut le délivrer et le sauver. Et il continue de s'étourdir, de se divertir, de courir d'un bord et de l'autre, pensant qu'il allait pouvoir régler par lui-même tous les problèmes. Ça me fait penser à un beau texte de la Bible, écoutez bien. L'espérance de ceux qui oublient Dieu périra. Leur assurance sera brisée. Leur confiance est dans une toile d'araignée. Elle ne tient pas, l'homme s'y cramponne, mais elle ne subsiste pas. Quelle image puissante. Vous qui m'écoutez aujourd'hui, est-ce que votre confiance est dans une toile d'araignée Mettez donc plutôt votre confiance dans le Dieu vivant et vrai.